Donc je vais vous présenter SolidWorks. On va créer une pièce. Pour créer la pièce, c'est fichier nouveau pièce. OK. SolidWorks, donc vous avez une partie ici où il y a tous les outils. Vous avez une partie ici qu'on appelle l'arbre de construction qui va enregistrer tout ce qu'on fait, qu'on va pouvoir modifier aussi par la suite. Pour créer une pièce, on va d'abord créer une esquisse, c'est le dessin en 2D. On va cliquer sur esquisse et on va choisir la forme que l'on veut dessiner. Moi je vais prendre aussi ligne. On va toujours sélectionner le plan de face pour commencer, pour travailler de face. Et on va partir habituellement de l'axe et commencer notre forme sans se préoccuper des dimensions. Donc je vais faire une pièce sans me préoccuper des dimensions. Voilà, j'essaie de faire un petit L comme ça. On va ensuite justement lui donner des dimensions maintenant avec utilisant l'outil qui s'appelle cotation intelligente. On clique sur cotation intelligente. On va cliquer sur un trait de côté et on va avoir une cote qui va se balader comme ça et qu'on va pouvoir poser où l'on veut. Hein, je la pose un peu loin pour pas qu'elle me gêne. Et on va pouvoir rentrer la dimension qui sont toujours en millimètres ici. Je vais lui rentrer 30 et on va valider. On va faire pareil de ce côté-là. Je vais la mettre un peu plus haut comme ça pour pas m'embêter. On va lui mettre 15 et entrée. Pareil de ce côté. Ainsi de suite. Donc pour coter les différentes valeurs. Une fois qu'on a tout coté, ce qui peut arriver des fois, c'est que quand on va coter celui-là par exemple, il va nous mettre un petit message d'erreur, vous allez voir, hop, il va nous dire que la cote pilotée. Pourquoi il nous dit ça? C'est parce qu'on a déjà coté la grande ici de 50, la petite de 25, forcément celle-là fait à 50, elle ne sert à rien, il suffit simplement en fait de la supprimer en appuyant sur Supr. Une fois que c'est fait, il va falloir valider. Ici. Une fois qu'on a validé, on va mettre en volume. Pour mettre en volume, et bon, on va cliquer sur fonction et on va sélectionner justement la pièce que l'on veut mettre en volume. On clique dessus, on va pas, pardon, on va faire fonction base bossage extrudé, sélectionner la pièce et elle se met en volume. Ok, on va ensuite rentrer une profondeur. Là je vais mettre une profondeur de 20. On clique pour voir ce que ça donne et on va pouvoir ici valider. Voilà notre pièce réalisée en volume. Il suffit pour rajouter ensuite pour modifier la forme, et bien il suffirait de à nouveau de rajouter dessus. On va essayer de faire un perçage, tiens, sur un côté. On va toujours même principe, esquisse, choisir la forme que l'on veut dessiner, le cercle. Et là, cette fois-ci, il va falloir choisir sur quelle face on va la dessiner. Moi, je vais la dessiner sur cette face-là, donc je vais cliquer sur cette face. Ensuite, il suffit de faire notre forme, notre cercle. Qu'est-ce qu'on fait sans se préoccuper des dimensions? Ensuite, on va utiliser cotation intelligente. On va cliquer sur une cotation intelligente, lui rentrer notre valeur de 10 par exemple, et ensuite on va valider. D'accord? Pas de souci ici. On va mettre ici ensuite, on va mettre un volume pareil. Fonction. Si je fais base bossage, bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va le faire. Il va se mettre en volume. Nous, c'est pas ce que l'on veut cette fois-ci. Ce que l'on veut, c'est lui enlever de la matière. Donc, on va appuyer sur la croix. On va faire fonction et enlèvement de matière extrudée. On clique dessus, on va cliquer sur la surface que l'on veut enlever. On a la direction dans laquelle on veut aller. D'accord? Si on ne choisit pas la bonne direction, on pourrait inverser la direction par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est bien de ce côté-là. Et lui rentrer la profondeur. J'aimerais qu'il débouche complètement mon truc. Donc, on va lui donner une grande dimension par exemple. Et on valide ici. Et on a notre perçage ici. On a fait une erreur, on va pas tout recommencer, on a toujours une moyenne, on voudrait changer ici le diamètre de celui-là. On voit dans l'arbre de construction qu'on retrouve tout ce que l'on a fait. Si on clique sur extrusion 1, on voit que c'est notre premier dessin. Si enlèvement de matière extrude 1, c'est bien notre perçage. On va le modifier, on va cliquer droit dessus. Et on a soit éditer l'esquisse, modifier le dessin en 2D départ, ou éditer la fonction, le dessin en 3D. Là on va s'occuper d'éditer l'esquisse. Je vais modifier mon diamètre 10 qui va pas. Je double-clique sur le 10 et par exemple je me suis trompé, c'était 8. Je valide. Je valide encore ici. Et ensuite,
j'ai mon nouveau perçage. Il faut bien enregistrer notre pièce pour pouvoir ensuite l'assembler. L'assemblage, ça va être quand on va pouvoir assembler plusieurs pièces ensemble. Pour l'assemblage, il faut faire fichier nouveau et cette fois-ci assemblage, OK. On a une petite croix, on appuie sur la croix et on va se mettre en fenêtre mosaïque. Dans fenêtre mosaïque, on va avoir notre assemblage, notre essai, notre pièce. On va prendre cette pièce-là et on va la faire glisser de ce côté. Et je vais ensuite, le but en fait c'est d'insérer les deux pièces ensemble, c'est les deux mêmes, donc je les insère une deuxième fois. On va pouvoir agrandir ici, dézoomer, tourner. On a ici rotation du composant, on va essayer de se mettre, de le déplacer un petit peu ici. Voilà, on va le mettre comme ça. On peut aussi déplacer le composant pour le mettre à peu près en face. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des contraintes. Des contraintes avec des faces contre des faces. On va cliquer sur contrainte. On va essayer de sélectionner cette face avec cette face. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont mises en face, hein, vous le voyez ici. Ensuite, on va continuer, on va valider, on va faire toujours contrainte, on va sélectionner cette face avec cette face. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont bien mises en face. Et pour finir le tout, il suffirait de faire celle-ci en validant, pardon, on valide celle-ci avec celle-ci et elles vont se mettre pile en face et on a un assemblage parfait. On valide. On veut modifier quelque chose, et bien pareil, on va pouvoir sélectionner la pièce, cliquer droit et faire ouvrir la pièce, et on va pouvoir à nouveau modifier cette pièce. Et ainsi de suite. Voilà.